Philosophe hardi qui passez votre vie à vouloir expliquer ce qu'on n'explique pas, daignez écouter, je vous prie, ce trait du plus sage des chats. Sur une table de toilette, ce chat aperçut un miroir. Il y saute, regarde, et d'abord pense voir un de ses frères qui le guette. Notre chat veut le rejoindre. Il se trouve arrêté, surpris, il juge alors la glace transparente et passe de l'autre côté. Ne trouve rien, revient et le chat se présente. Mais il réfléchit un peu, de peur que l'animal, tandis qu'il fait le tourne-sorte sur le haut du miroir, il se met à cheval. Deux pattes par ici, deux par là. De la sorte, partout, il pourra le saisir. Alors, croyant bien le tenir, doucement, vers la glace, il incline la tête, aperçoit une oreille, et puis deux. À l'instant, à droite, à gauche, il va jetant sa griffe qu'il tient toute prête. Mais il perd l'équilibre, il tombe et n'a rien pris. Alors, sans davantage attendre, sans chercher plus longtemps ce qu'il ne peut comprendre, il laisse le miroir et retourne aux souris. Que m'importe, dit-il, de percer ce mystère Une chose que notre esprit, après un long travail, n'entend ni ne saisit, ne nous est jamais nécessaire.